Évidemment, il faudra y arriver le mieux possible. C'est parti, Kurt et Polo s'élancent, descendent dans les mines et vont atteindre l'entrée de cette zone mystérieuse Spelunky, un jeu sorti il y a quelques années maintenant, qui a une communauté de speedrun extrêmement active, qui organise des marathons, des races et qui tient un leaderboard très précis sur les nombreuses catégories du jeu. Le tutoriel s'ouvre pour Kurt et Polo, tuto dans lequel on joue ce personnage tuer Gamma pour le débloquer. Donc c'est un personnage pour les runners expérimentés, mais on a le droit de le jouer pendant le tuto. Un petit glitch au début du jeu nous a donné des bombes et des cordes immédiatement, ce qui est toujours bien pour aller encore plus vite. On utilise les bombes pour creuser notre route dans ce layout qui est fixe. Et avec des petits coups de fouet, des petites techniques de déplacement, on atteindra la sortie le plus vite possible. La section de la clé est une section clé. Effectivement, attention à la bombe, Kurt, il m'a fait un petit peu peur avec. On les déclenche avant pour aller le plus possible. Et pour les... s'en sort. Oh, attention, erreur, stream not found, qui a peut-être changé, les mots des songes un petit peu pour avoir des dialogues différents. Et ça ne marche pas toujours, apparemment. Et c'est parti, le jeu commence à proprement parler maintenant, avec cette ouverture de la porte, et le jeu s'ouvre sur ces mines qui sont complètement générées actuellement, et qui vont... être rempli de pièges. Donc le jeu est fameux pour ses pièges qui interagissent les uns avec les autres. Donc les pièges à flèches qu'on voit ici peuvent déclencher d'autres pièges à flèches, les ennemis peuvent déclencher les pièges, les ennemis peuvent vous propulser dans les pics, les squelettes peuvent se réveiller, et il faut connaître exactement tous les patterns et toutes les possibilités pour réussir à s'en sortir le mieux possible, sachant que c'est souvent un calcul de probabilité et aussi de... une question d'habitude pour savoir quand est-ce qu'on peut se laisser tomber ou quand est-ce qu'on doit prendre de l'information. Vous verrez souvent les runners regarder vers le bas pour savoir exactement ce qui les attend. Et ça joue un peu la connaissance du jeu ici pour Kurt, pour creuser le plafond et tailler sa route vers la porte du 1-3. Polo en train de faire la même chose. Polo qui rattrape quasiment avec des meilleures mines sans retard. Ils vont entrer le 1-4 à une petite seconde d'écart. 1-4 dans lequel il faut absolument pas mourir pour réussir à valider la première quête, la quête de la première bombe. Et c'est fait pour Polo qui a d'excellents, excellents patterns et en 2 minutes 39 valide cette première quête de la bombe. De l'autre côté, Kurt effectivement fait la même chose. Et on recommence, donc on est obligé de faire les quêtes dans l'ordre, donc strictement une bombe puis une corde, et les quêtes se font toutes dans les mines, puis toutes dans la jungle, puis toutes dans les cavernes de glace. Donc évidemment, on recommence pour avoir une nouvelle vie, une nouvelle chance, et cette fois-ci rapporter la corde. Des mines qui se passent vraiment bien, les runners très expérimentés savent exactement comment progresser, ça fouette bien les pièges à flèches pour être sûr de s'en sortir. Et Kurt qui ne s'arrête pour rien au monde, prend de l'information, et là c'est la chauffe quand même, hein. Les mines c'est pas le truc le plus rempli de pièges, mais il faut faire attention à pas être trop pressé parce que la mort arrive très très vite dans Spelunky. Vous voyez en haut à gauche du HUD, il y a les points de vie, les cordes et les bombes de tous nos runners. Les 4 points de vie sont presque là juste par indication parce que beaucoup de choses one shot tuent en un coup, les pièges à flèches font 2 points de vie, les ennemis font 1 point de vie de dégâts et les pics vous one shot quel que soit votre nombre de points de vie. Donc ça arrive souvent de prendre des petits coups et de finir par mourir sans qu'on ne puisse rien y faire. Polo rend sa corde, Kurt rend sa corde lui aussi. Petit suicide au début de la jungle, évidemment, pour recommencer dans les mines. Et on se dirige vers les 10 000 dollars. Donc 10 000 dollars, ça veut dire faire des petits détours, peut-être, pour récupérer des ressources. Mais évidemment, en speedrun, on essaye de faire le moins de détours possible. Donc à chaque fois qu'on voit un petit tas d'argent, comme le fait Polo, c'est un petit choix. Est-ce qu'on récupère l'argent ou pas? Kurt est déjà à 5 800. Polo a récupéré, en plus de beaucoup d'argent, une boussole qui va lui indiquer la suite du jeu. Il atteint les 5 000 dollars, la moitié de l'objectif. La boussole, c'est très bien. C'est d'autant mieux qu'il est récupéré dans cette mission-ci, parce qu'on va pouvoir enchaîner les mines et la jungle, évidemment, puisque la jungle, on aura fini les quêtes des mines et la quête des jungles de la jungle commencera. Donc on pourra faire ce
Polo qui continue au 1-3, qui est en train de se faire dépasser, j'ai peur, par Kurt, qui utilise sa bombe et qui utilise le fait d'avoir la boussole pour savoir exactement où il a sorti. Nos runners vraiment au coude à coude, là, qui font le 1-4 pile ensemble, 10 000 dollars en poche pile pour Polo, Kurt qui était à un peu plus de 10 000 et qui passe maintenant à 13 100, aucun problème. On voit la quête Polo sur son layout en bas à droite indique la quête en laquelle il en est, et Kurt débloque le raccourci de la mine ainsi que Polo juste maintenant et rentre dans la jungle où on va essayer de rendre deux bombes. Bon coup d'œil de Kurt qui voit immédiatement le marché noir qui va l'ouvrir, et l'avantage du marché noir c'est de pouvoir y aller. Et Polo obligé de se suicider, pas assez de bombes en poche, donc malgré sa superbe avec cette grenouille explosive, cœur de pas énerver les marchands, malgré sa super boussole, obligé de recommencer, perd le bénéfice de sa boussole et meurt au début de la jungle dans un biome assez compliqué, donc va devoir se remettre dedans. On voit que la jungle c'est beaucoup plus dense, il y a les pièges tiki, quand on se fait toucher on prend 4 points de dégâts d'un coup, et comme souvent on a que 4 points de vie, ça veut dire que c'est la mort. Il y a les escargots, les hommes tiki ici armés de boomerang qui peuvent vous tuer, beaucoup de pièges de plantes carnivores qui peuvent vous one shot, et puis on retrouve évidemment les fameuses grenouilles, les escargots, beaucoup de chauves-souris aussi, plein de choses qui sont là pour vous tuer. Donc je disais, l'avantage du marché noir c'est de savoir où il a sorti, donc quand vous y rentrez vous avez déjà une sortie immédiatement, donc c'est le premier avantage, pouvoir y rentrer. Et le deuxième avantage c'est savoir exactement comment ça va se passer, même si on peut avoir des mauvaises surprises. On arrive aux cavernes de glace, toujours la même chose, on rend les bombes et on se suicide pour recommencer la jungle. Polo est le meilleur joueur français en ce moment, donc c'est sans doute la meilleure chance pour qu'un français gagne le tournoi francophone de Spelunky qu'on a aujourd'hui en ce moment sur Spelunky français, même si Kurt est sans doute un des favoris. Polo se suicide à l'entrée des cavernes de glace et va rattraper Kurt va rejoindre Kurt dans la deuxième quête, même si Kurt est déjà au 2-2. Attention aux grenouilles qui tombent du plafond, qui font perdre pas mal de vie. Kurt a un seul point de vie, ça peut être compliqué. Mais Vlad, s'il n'était pas content, il avait qu'à être là, évidemment. Vlad qu'on attendait peut-être pour les commentaires et qui ne s'est pas réveillé, j'ai l'impression. Rien de bien méchant. Polo qui prend la sortie ici du 2-2. Kurt au 2-3 prend un peu son temps, mais cet endroit il faut pas forcément trop bourrer, surtout quand on a un seul point de vie. 2-3 pour Polo qui aurait pu utiliser sa bombe pour récupérer des points de vie, mais qui choisit de faire le détour pour pas avoir à passer dans la ruche. Attention, cette ruche qui va faire pas mal de points de vie si ça se passe mal. On arrive à la fin. Perte de 2 points de vie ici, mais la fin du 2-4. Juste derrière Kurt. Kurt contre Polo, la race vraiment ne s'arrête pas. Kurt équipé de son boomerang essaye de progresser, mais toujours Kurt avec un seul point de vie, ce qui fait ce qui peut le faire un petit peu peur, puisque tout vraiment maintenant tue et beaucoup de choses peuvent mal se passer. Donc Kurt qui prend son temps dans cet endroit un petit peu compliqué et qui se fait dépasser ici par Polo qui rend des deux cordes et qui arrive à la quête du shotgun. Le shotgun c'est une quête assez spéciale parce que contrairement aux autres on n'a pas immédiatement la ressource nécessaire pour sortir, donc là ça veut dire qu'il faut aller chercher un shotgun, et les shotguns il y a soit 1% de chance de l'avoir dans une caisse, soit 100% de chance de l'avoir dans la tombe de hache qui n'apparaît que dans le biome de mort sans repos, soit... Je suis inquiet pour Polo ici, bloqué par cette reine des guêpes. Soit... Ouh, et qu'il le tue, mais très bien joué avec ce coup de fouet pour faire tomber la bombe. Soit à 100% dans les mains d'un marchand, mais pour l'avoir dans les mains d'un marchand, il faut tuer le marchand. Ce qu'a fait Kurt, donc Kurt qui est maintenant équipé de 15 bombes, un shotgun, 4 points de vie, mais les marchands énervés vont être en face de lui à chaque sortie, donc c'est toujours un risque. Et Kurt va poser une bombe ici pour aller le plus vite possible à la sortie. Mais à la sortie, on s'en rappelle, voilà, le marchand énervé. Marchand énervé, ça peut être compliqué à gérer. Il faut savoir un petit peu à quel moment il va tirer, à quel moment il va être dangereux. Donc ça, c'est la force de l'habitude, évidemment. Kurt, inquiet, hein, qui est un peu bloqué par ce marchand, un peu inquiété. Mais Polo, lui, n'a pas de shotgun du tout. Il arrive au 2-4 et là, c'est critique. Il faut absolument le trouver.
pas de shotgun. Et un shotgun ici, est-ce qu'il va prendre le risque d'ouvrir le vault? Oui, en deux bombes ça va être fait. Par contre, le marchand va pas être très content. On va mettre sans doute une corde. On va poser une deuxième bombe et le marchand va s'y coincer. Très 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 bien joué de la part de Polo, qui récupère son shotgun. Il a pas de bombe par contre, c'est pas très important. Par contre, il va pas falloir mourir de dégâts de chute, mais il a 8 points de vie. Il va pouvoir peut-être dépasser il dépasse Kurt en rendant son shotgun. Juste ici, j'ai failli risquer le commentary curse. Il était devant Kurt, mais il n'avait pas de shotgun. Récupérer ce shotgun au 2-4 a confirmé son avantage. Attention à ces man traps ici. Il utilise le shotgun pour les assommer et pour continuer. Kurt qui est juste derrière Polo. Polo qui rentre dans les cavernes de glace. Et Kurt pourrait poser une bombe ici. Et détruire le piège tiki et tomber ou attendre. Voir ce qui va se passer entre le marchand et le piège tiki. Kurt hésite à y aller parce qu'évidemment le marchand énervé ça peut faire très mal. Il faudrait que le marchand se reprenne un coup de shotgun. Attention au super jump possible du marchand et qui pourrait monter jusque là s'il arrive à se propulser en sautant, propulsé par le shotgun. C'est arrivé. Kurt un peu bloqué, il décide d'utiliser une bombe mais le marchand n'est pas du tout là. Au moins maintenant, voilà, le marchand risque de mourir. Parfait. La quête est rendue, est validée pour Kurt, alors que Polo, après son suicide, est rentré dans les cavernes de glace en utilisant le raccourci. Et immédiatement, au 3-3, peut prendre le luxe d'explorer un petit peu, de chercher la sortie, parce que la sortie des cavernes de glace, la grande différence, c'est que les cavernes de glace n'ont pas de fond, donc si on se retrouve trop bas, on peut être complètement piégé. Et Kurt par contre qui a toujours les marchands, 12 bombes en poche, mais c'est pas garanti de s'en sortir. Polo qui tombe et qui s'accroche, peut-être que c'était pas exactement ce qu'il voulait faire, mais il va aller et avancer avec ça. Il rend les 3 bombes, bonjour Tunnelman, il va laisser sa mine au temple et recommencer pour les 3 cordes. Pendant ce temps-là, au 3-2, Kurt avec toujours 12 bombes, 5 cordes en poche, malheureusement des marchands énervés qui sont en train de lui poser pas mal de problèmes, il est obligé de prendre beaucoup d'informations, prendre son temps, vérifier, mais il récupère son shotgun qui va peut-être se révéler important. Polo est obligé d'utiliser une corde, c'était la seule corde qu'il avait le droit d'utiliser, donc compliqué. Attention à ces interactions, les ennemis ici peuvent faire exploser les mines, les ennemis qui explosent peuvent tuer des aliens, ces aliens eux-mêmes quittent leur vaisseau qui explose en tombant, c'est beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ce jeu. Polo toujours avec un bon progrès, une belle progression, il arrive au 3-3. Et attention à ce mammouth qui aurait pu geler Kurt, il a eu le bon rythme et il avait tué le marchand aussi avec l'aide de ce mammouth, merveilleux. Kurt qui va sans doute essayer de rentrer dans ce Mothership ici. Alors il y a une entrée qui est toujours au plafond du 3-4. Ça compte comme une sortie de fin des cavernes, donc ça permet déjà de croiser Tunnelman et de rendre les 3 bombes. Ensuite, alors que je vois Polo dans une situation délicate ici. Il faudra utiliser peut-être un alien pour ressauter, parce que sinon il faudra utiliser une corde. Malheureusement, il n'a plus le droit d'utiliser de corde. Et je suis inquiet pour lui. En plus, les aliens sont en train de détruire toutes les plateformes qu'il aurait pu utiliser. Peut-être qu'il y a quelque chose à jouer. Polo qui essaye de grimper mais qui arrive pas. C'était si beau pourtant. Il va essayer vraiment d'utiliser ses lasaliennes, mais c'est pas facile. Il utilise une corde. Malheureusement, au 3-4, c'était le dernier moment. Il n'y a pas de corde sur la route. Il se suicide et laisse l'avantage à Kurt. Kurt est en train de remonter ce vaisseau alien. Alors, ce vaisseau alien qui est rempli de pièges, d'aliens déjà qui lui tirent dessus, de tourelles. Et il y a toujours ce marchand en haut qui va essayer de le tuer. Donc, Kurt qui prend son temps pour faire de son mieux. Il a pas mal d'avance. Hein. C'est vrai qu'il est au 3-3, mais vous voyez, ces tirs en fait, d'attaque télépathique de la reine des aliens obligent Kurt à bouger de façon assez rythmée et toujours ce marchand qui pose problème à Kurt. Et puis il n'a pas vraiment le choix, il peut pas observer. Il pose une corde ici. Il a 3 cordes, maintenant c'est bon. Il débloque la tourelle et il va pouvoir atteindre la sortie, mais finalement il va atteindre le 3-4, puisque vous l'aurez remarqué, le Mothership remonte, hein, donc l'entrée était en bas et la sortie était en haut, donc c'est logique. Ça le fait atteindre le début du 3-4 et donc il aura 2 sorties tout de suite. Polo qui récupère une boussole, c'est pas mal pour voir la fin de ce 3-3.
Et c'est très serré entre nos deux joueurs. La boussole, c'est important dans les cavernes de glace, parce qu'il y a, encore une fois, il n'y a pas de fond, donc ça évite de se retrouver piégé. Et très bonne sortie par Kurt, qui fait la double livraison entre les bombes et les cordes en une seule vie, et qui va pouvoir... qui dépasse, mais de très très peu, Polo. Polo qui atteint le 3-4 aussi. On attaque les mines. Les mines, pourquoi on y revient ? Parce que c'est le seul endroit où trouver la clé. La clé dorée, c'est la mission. Et c'est une longue mission, celle de la clé, puisqu'on part des mines, seul endroit où se trouve une clé. Et on va essayer de la ramener jusqu'à la fin des cavernes de glace. Donc plusieurs enjeux. Déjà, un, trouver la clé. Deux, ça va être peut-être s'équiper suffisamment pour survivre. Alors, rien d'obligatoire, mais ça va dépendre du runner. Et sans doute qu'un jetpack dans un marché serait suffisamment tentant. C'est ce que fait Polo. Polo qui trouve aussi un téléporteur. Le téléporteur, ça va être très bien pour aller chercher la clé, puisque ça lui permet d'ignorer les murs. Attention à ne pas se retrouver coincé dans un mur, cela dit. Donc, Polo bien équipé, mais encore une fois, marchands énervés. Kurt, du côté de Kurt, on a vu le coffre avec sa serrure en or qui se s'ouvre que avec une clé en or, et donc il sait qu'il est dans ce, que la clé est dans ce niveau là. La question, c'est où. Polo continue son exploration, perd un petit point de vie, attention à ça, les points de vie c'est pas infini. Oh, Polo qui voit qui voit que la clé est forcément dans le coin parce qu'il a vu le coffre. Et là, par contre, c'est un petit peu plus dur. Heureusement qu'il peut se servir de son téléporteur pour aller la chercher, mais il ne la trouve pas du tout. Pareil chez Kurt. Hein. Chez Kurt, on galère un petit peu, mais la voilà. Il avait sans doute vu, c'est pour ça qu'il était remonté. Et malheureusement, Polo qui meurt, obligé de recommencer, et il laisse l'avantage à Kurt. Kurt, avec ses 4 points de vie, 2 bombes et sa clé dans les mains, va pouvoir s'élancer vers les cavernes de glace, et peut-être même vers Olmec, juste derrière. Mais il faut prendre son temps, voilà, attention au baril de TNT, le lancer de clé un petit peu risqué, mais qui fonctionne. Et Polo, chez Polo, j'ai cru voir un coffre avec une clé dorée dans ce 1-2, mais peut-être pas. J'ai juste vu un petit peu de doré, mais c'était peut-être juste de l'argent. C'était un spot compliqué, effectivement. Kurt qui a choisi de rendre la damsel en détresse pour avoir un point de vie supplémentaire, et Polo qui ne trouve pas sa clé pour l'instant. On arrive au 1-3, c'est voilà, faut chercher un petit peu à droite à gauche, ce sera plutôt 1-4 évidemment. On prend la damsel aussi chez Polo pour récupérer des points de vie. On est à 17 minutes 30 de run, le record du monde est autour des 15 minutes, donc ça donne un peu une idée du niveau et du grind qu'il a fallu pour en arriver là. Polo toujours à la recherche de sa clé pendant que Kurt entre dans la jungle. La jungle, c'est des ennemis, des villages tiki et des lancers de clés pour réussir à s'en sortir. Attention à pas mourir quand même avec cette clé. Plus que 2 points de vie, Kurt qui utilise une bombe ici pour s'en sortir et aller à la sortie le plus vite possible. On pose la clé pour utiliser le fouet, parce que porter une clé, ça vous empêche d'utiliser le fouet. Mais faut pas oublier de ramasser la clé. On a vu des gens poser la clé, faire quelque chose, et puis ne jamais y revenir. Une des choses possibles, ça serait de tuer la reine des abeilles ou des guêpes, plutôt pour récupérer les 4 points de vie que la gelée royale donne. Par contre, ça fait perdre beaucoup de risques, la 2 vie. Attention, la bombe risque de faire tomber l'arbre. L'arbre, en tombant, les ennemis ont fait perdre 1 point de vie. À Kurt qui se fait suivre par des guêpes, c'est compliqué, il y a des ennemis partout, où est la clé, ennemi au-dessus de sa tête, il s'en sort, il ignore le marchand, mais Polo est déjà au 2-2 avec des niveaux légèrement plus rapides et une exécution au moins aussi bonne. Attention Kurt. Et Vlad qui ne se sera pas réveillé, je suis désolé. Vous pouvez quand même suivre Vlad sur Twitch et lui donner du soutien. Vlad qui est sur ce tournoi aussi. Vlad qui jouera contre... Vlad qui a gagné contre MioMixMix et qui jouera contre Devultify au deuxième tour. Polo prend la clé, on est à 19 minutes, on sort de la jungle, prend une damsel et arrive au 2-4,
pendant que Kurt sort des 2-4 et arrive aux cavernes de glace, toujours avec sa clé dans les mains. Polo n'a que 2 points de vie, attention, et sort du 2-4. C'est très serré entre nos deux joueurs. Un seul point de vie, mais 12 bombes pour Kurt, mais la moindre erreur le tuera. On va faire attention en descendant. On voit l'hôtel de Cali. On a des chances que la sortie soit plutôt en bas à droite. Kurt qui évolue doucement, des longues descentes. Et la sortie est juste là. Bonne lecture du pattern pour Kurt avec sa clé dans les mains et l'exécution nécessaire. On est au 3-2 pour nos deux joueurs. C'est très très proche. Ils croisent tous les deux un marchand. Beaucoup de mines. Mais Polo a récupéré une boussole sur la route. Et vous voyez maintenant l'avantage que ça lui donne. Il sait exactement où est la sortie. Et ça fait gagner du temps. Beaucoup de bombes par contre chez Kurt, ça pourrait faire la différence, ça, dans le temple. On verra quand les joueurs y arriveront. On risque de vouloir enchaîner, mais avec que 2 points de vie pour nos deux joueurs, c'est peut-être une décision compliquée. Le 3-3 chez Kurt, Polo. Non ! Kurt ! Quelle malchance ! Oh ! Et Polo, où est la clé ? Oh, la clé juste là. Ok. Polo, il a failli reset. Tout va bien. Polo qui rend sa clé alors que Curtis est mort. C'était impossible. Ah, et c'est... Et l'avantage ici que prend Polo en attaquant le mec alors que Kurt doit tout recommencer et Kurt un petit peu peut-être déconcentré tombe dans des pics ici. C'est la RNG, le chat évidemment blame Derek parce que Derek, le concepteur du jeu, a créé vraiment des choses improbables. Et là, la mort de Kurt, elle était vraiment infâme entre ce piège, cet ennemi, le rebond. La clé, c'est le moment où beaucoup de choses se décident dans cette run. Et Polo, dans le temple, ça attaque le 4-2. Le temple, c'est un niveau légèrement plus court, puisque le quatrième niveau, c'est toujours Olmec. Donc on n'a que 3 niveaux, général et aléatoirement. C'est un niveau assez intéressant aussi au niveau pour les quêtes alternatives. Et crabouillage de Polo qui meurt, touché par cette momie. Et on est obligé de recommencer. Je sais pas si Error String Not Found, c'est une blague, genre il a modé son jeu pour que ça dise ça, ou si c'est vraiment le jeu qui fait une... Mais c'est peut-être en fait une blague de Polo. Oui, le jeu de mots Key Split marche aussi en français, c'est un split clé. Évidemment. Le split de la clé, split très important, et malheureusement qu'aura emporté un petit peu les chances de victoire de Curtis, mais c'est pas fini hein, pour Polo. Il faut que Polo meure 6 fois sur ce temple, c'est arrivé, mais un runner expérimenté comme Polo a sans doute de fortes chances d'y arriver. On a vu Mio Mix Mix mourir à Olmec et laisser la victoire lui échapper donner l'avantage à Vlad qui avait fini en 19-53. Curtis qui passe dans le marché noir et qui n'a pas de quoi s'acheter une boussole malheureusement. Ça aurait pu être intéressant pour les cavernes de glace. On arrive au 2-3 pour Kurt pendant que Polo arrive sur Olmec. Pas beaucoup de bombes. Polo qui joue dangereux. 4 cordes en main. Et l'écran qui frise un petit peu, ça m'inquiète. Dernier coup. Il y a des ennemis au-dessus. Et ça passe, Polo qui l'emporte en 23-36 pour Polo. Très très bonne run. C'est impressionnant. Hein. Très très jolie run de Polo, voilà, qui je pense assez surpris. Il était assez peu confiant en lançant le stream. Il disait que Kurt allait forcément l'emporter, mais il aura vraiment pris l'avantage. C'était très serré pendant toute la race. C'est juste, ils sont tous les deux tombés en même temps pendant les cavernes de glace. Et Polo a gagné malgré tout. Grosse run. Ha 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 ha.
Alors que Kurt, c'est une seule victoire pour l'emporter. Et j'ai l'impression que Kurt a peut-être un forfait. Ok. Comme ça, c'est fait. Donc pour la suite du tournoi, pour la suite du tournoi, ça sera en best of three pour à partir du troisième tour des winner brackets et à partir du deuxième tour des loser brackets. Mais là, c'était vraiment le premier match entre Polo et Kurt. Polo qui l'emporte avec un 23-36. Gros run, grosse victoire. Et GG aux deux runners, évidemment. Ouais, je peux comprendre Kurt qui n'a pas forcément envie d'avancer. Il a peut-être envie de faire autre chose, pas de souci. Mais Saturnin qui passe en troisième round. Dans la suite du planning, il y aura Crunchy Crunchy contre Chocolate Cake. Et celui des deux qui gagnera rencontrera Yuganon en round 2. En round 2, c'est ça. Et le gagnant entre Yuganon et son adversaire rencontrera Saturnin en demi-finale du Winner Bracket. Donc Saturnin se qualifie et prend une place confortable ici. Polo se qualifie et prend une place confortable. Polo qui jouera contre le gagnant entre Devil Tifa et Vlad. Donc Polo, Saturnin, tous les deux pour l'instant qualifiés en demi-finale. Devil Tifa contre Vlad, Crunchy Crunchy contre Chocolate Cake et Yuganon contre le gagnant entre ces deux-là décidera des autres places de la demi-finale du Winner Bracket. Yuganon qui croit en ses chances. yeah, Chocolate Cake is going to play against Crunchy Crunchy, Grunting Crunchy soon, I hope. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, pour Speed Gaming français. Merci à tous d'avoir regardé. Pour le planning de Speed Gaming français, demain soir à 7h et à 8h du soir, on commentera avec Zigwigwi le restream de la finale de Cuphead en Regular Legacy, la catégorie. Donc ça sera des speedrunners à suivre ici sur Speed Gaming français demain soir à 7h. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Désolé pour Vlad, je suis sûr qu'il aurait bien aimé, mais il a dû s'endormir. et amusez-vous bien. Des bisous.